Hey les mecs là, je compte sur vous. On est au 16 500 soutiens les potes, on est bientôt au 20 000. Donc oubliez pas, code créateur, un homme à skill pour ceux qui veulent du shield, du heal. Voilà, il y a tout, il y a des top 1, il y a du shield et il y a du heal dans ce code créateur. Ça a été testé par énormément d'abonnés et je vous mens pas vraiment. Vous pouvez aller voir dans les commentaires et tout, il y a des gens, ils me disent qu'ils ont vraiment réussi à faire top 1 dès leur première game avec le code créateur. Donc n'hésitez pas à le mettre. Vous allez dans la boutique d'objets. Voilà, vous cliquez juste en bas à droite dans support a creator ou soutenir un créateur en français. Et là, vous mettez code UnknownMySkill en majuscule, en minuscule, c'est la même chose. C'est le pseudo de ma chaîne, c'est très très simple. Tu fais ça, tu mets accepter et créateur soutenu, UnknownMySkill. Merci à tous ceux qui le feront, les frérots, ça fait plaisir. Et bien bonjour à tous et à toutes les amis, ici UnknownMySkill, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors, aujourd'hui les potes, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo bien sympa. Aujourd'hui, on va aller rencontrer le meilleur joueur Fortnite de mon lycée. Voilà, je le connais en vrai, je le vois tous les jours presque. Et voilà, c'est pour moi le joueur Fortnite le plus fort de mon lycée que j'ai rencontré. Voilà, pendant mes 2 ans au lycée, parce que ça va bientôt faire ma 2e année au lycée. Et c'est le meilleur joueur que j'ai jamais rencontré. Du coup, voilà, tu vois, on a commencé à se parler et tout depuis cette année. Hein, voilà, depuis cette année. Et il s'avère que de fil en aiguille, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de meilleur joueur Fortnite, tu vois, que lui dans son lycée. Du coup, les potes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec lui. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, si vous trouvez qu'il représente plutôt bien le lycée ou pas du tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien évidemment. Ça mange pas de pain, c'est hyper rapide et en plus, c'est cool. Et oublie pas, mon pote, de faire le rituel. Voilà, si la vidéo t'a plu, tu peux bien évidemment mettre le petit pouce bleu. Et tu t'abonnes. Tu t'abonnes et surtout, si tu t'abonnes, t'active la cloche de notification, mon pote, c'est hyper important pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite un très très beau visionnage. Ok, ok les potes, du coup c'est bon, on est avec le soi-disant meilleur joueur de mon lycée. Alors du coup, moi j'ai un petit peu vous expliquer ma situation. En gros, je suis venu au lycée il y a 2 ans, voilà. Et en gros, dans ce lycée, c'est-à-dire, tu peux faire maternelle, primaire, collège et lycée, mais dans le même établissement, tu vois. Et moi, du coup, j'ai rejoint les potes le lycée il y a 2 ans, voilà, pour faire ma première et ma terminale ici. Et c'est petit à petit, tu vois, que j'ai commencé à rencontrer des gens qui, tu vois, qui jouent à Fortnite. Et petit à petit, tu vois, on a appris que j'étais youtubeur dans le lycée. Et voilà, tu vois, ça s'est su normalement. Et du coup, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à rencontrer des gens, tu vois, qui jouaient à Fortnite. Et genre, tu vois, ça se sait, tu vois, quand les gens ils commencent à parler de Fortnite, etc. Tu fais, ouais, toi, tu joues à Fortnite ou quoi. Et tu vois, on commence à créer des amitiés, tu vois. Et les gens ont commencé petit à petit, tu vois, à savoir que j'étais youtubeur. Et du coup, j'ai rencontré Blarox, donc qui est un très très beau joueur, en vrai. Comment est-ce que ça va, mon pote? Ça va, tranquille, et toi? Tranquillement, hein, tranquillement. Donc, faut savoir qu'on joue ensemble depuis pas mal de temps. Et en fait, par rapport au lycée, tu vois, dans lequel je suis, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs. Et genre, en gros, faut savoir qu'avant que je venais, tu vois, ils jouaient déjà un petit peu entre eux. Et ils m'ont dit, ouais, tu sais, qu'ils faisaient des petits AVS à build fight, et c'est lui qui était, entre guillemets, le meilleur joueur. Du coup, vas-y, toi, est-ce que tu peux rappeler un petit peu en quelle classe t'es et tout, tu vois? Moi, je suis en seconde. Enfin, okay. Ouais, j'ai 2 ans de moins que toi, du coup. Ouais, ouais, je suis un peu, comme t'as dit, un des meilleurs joueurs du lycée. Enfin, après toi, bien sûr. Arrête. Et c'est tout, ouais. Et genre tu fais tes tournois avec des potes, tu fais quoi? Tu fais des 1v1 ouais, en créatif? Non, ouais, en créatif, exactement. On fait des 1v1, du coup, on regarde le niveau de chacun. Ouais. Bah, du coup, c'est moi qui gagne à chaque fois, t'as vu? Ah ouais, c'est... genre, il joue sur PS4 ou il joue sur PC comme toi? Bah, la moitié sur PC, la plupart c'est sur PS4, mais... T'es pas tombé vraiment, tu sais, sur un mec genre hyper chaud, tu vois? Non, non. Ok, ok, je vois. Bah aussi, bah on va voir un petit peu ça, parce que voilà, moi comme je vous ai dit, ça fait pas mal de temps que je joue avec lui, et c'est vrai qu'il est pas mauvais quoi, il est pas mauvais, et on va voir ça ensemble, du coup on va se faire des petits 1v5, et après, ce qu'on va faire c'est qu'on va le voir un petit peu comment il va se débrouiller en solo vs duo, on va voir aussi une petite game, je vais me suicider, on va le voir comment est-ce qu'il joue, du coup voilà, c'est quoi ton record de kill si tu sais? 17 je crois, 17. En solo? Solo vs solo? Ouais, solo, ouais. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal solide. Ok, vas-y, bah let's go les potes, on est parti pour du créatif. On va faire des AVS1. Vous connaissez la chanson, c'est toujours comme ça quand on tombe contre des nouveaux joueurs. AVS1 normal, moi je vais te proposer AR, pompe, PM, si ça te dit. Puis okay, let's go. Et puis voilà, let's go. On va dans mon île ou dans la tienne? Vas-y, je te suis dans la tienne. Hein. Ah ouais, je vois ça, déjà build fight ici. Hein. Ah ouais, tu t'entraînes et tout à faire des... Ah ouais, je vois. Le mec est chaud quoi. Vas-y, du coup, t'as des coffres avec AR, PM ou quoi? Ouais, c'est bon. Vas-y, go. Vas-y, du coup, est-ce que t'es prêt, Blarox? Je suis prêt. Go. Premier fight, moi je te propose qu'on en fasse 3, tu vois. Et on regarde qui gagne, hein, sur les 3. Vas-y, let's go. Vas-y, good luck. Quand tu veux, hein. Vas-y, nice. Good luck à toi, mec.
Wow. Pas mal ça, hein. Le petit Sora. Il était cocasse. GG. Oh, je t'ai mis 3 têtes à la PM. Bien joué. Bah, beau premier fight, hein. Ouais, très beau premier fight en vrai. Même si j'ai perdu 0 HP. Vas-y, bah, on en fait 3 comme ça. Et quand je vous le disais, les mecs, il était pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais. Genre, vous allez voir en game normalement. J'espère qu'il va pas faire de la merde en game là cette fois-ci, mais. D'habitude, il est pas mauvais, genre. Let's go. Toujours il a la hauteur sur moi. Oh. Bien joué ça. Merde. Merde. Oh. GG. Bien joué. Tu m'avais mis une bonne balle à moins 49 au début là. Ouais. Vas-y les potes, dernier fight. On a décidé d'en faire un petit dernier. Voilà, c'est la maison qui offre, y'a pas de soucis. Quand tu veux. Let's go. Ah, cette fois-ci j'ai la hauteur. Tu m'as mis quoi la balle là, sur l'escalier? Bah ouais. Par contre, refais, j'ai bugué à fond. Quoi? J'ai bugué à fond. Ah, pas mal les excuses, hein. Je me suis rajouté ta mère, c'est vrai. Quoi? Je te jure, c'est vrai, wesh. Bon, vas-y, dernier fight parce qu'il cherche des excuses et ça, c'est pas ouf. On lui laisse quand même une dernière chance. Quoi, tu veux? Il est comment mon toit? Bien. Ouais. Merci mec. Elle a comment la PM? Allô? Ouais. Tu serais pas en train de tryhard là quand même? Non, pas du tout mec. Ok, ça va. Alors. Ah. À Mongolie un peu. Non, ah ouais, putain, je suis vraiment mongolien, putain. Eh, hey, je suis vraiment mongolien, putain. Je suis trop nul, wesh. Ah bah, t'as pas dit que t'étais le meilleur du lycée? Ouais, mais c'est toi, je casse les couilles, wesh. J'ai fait quoi? T'es trop fort. Ah putain, merci mec, putain, ça fait plaisir à entendre. Ok, bon bah les mecs, je crois que je lui ai laissé mes sapines, hein. Ok, du coup les potes, on est parti avec Blarox. Il va faire de la solo vs duo. Je sais pas si tu joues en solo vs duo, gros. Non, pas du tout. Je joue juste en solo. Ah, que de la solo. Sinon que de la solo. Ok. Ouais, du coup, ça va être un peu plutôt safe, non? Tu vas faire? Tu vas où? Ouais, je vais shifty. Ok. Vas-y, on va voir un petit peu comment tu te débrouilles en solo vs duo, mec. Hein. Vas-y. C'est vrai, je t'ai jamais vu jouer en solo vs duo, solo vs squad, c'est vrai ça. Hein. Ouais. C'est vrai. On va voir ça. Hein. Oh, t'y bug? Il a bugué. Quoi? Oh, le double kill directement. En plus, il a donné un feu de camp, je crois. Hein. J'ai bien vu. Ouais. Ah, c'est pas mal du tout. Deux petits kills déjà. Je crois qu'il n'y a plus personne à shifty, mec. Oh, le gros shield directement qui est récupéré. On passe à. Oh, et wesh, frère, t'es béni. C'est quoi ça? Hé, Lélé, prends un gros shield. Il jette un coup d'œil à l'autre bout. Il y a un autre gros shield. C'est quoi ça? Il reste tilted ou quoi? Ouais, vas-y. C'est mais genre, je sais pas, en plein milieu, genre. Ok, directement. Blarox qui va en plein milieu de Tilted Tower. En dessous, hein. Je crois qu'il y a des mecs. Oh, tu l'as vu. Il a fait la fenêtre. Il est au-dessus, tu le sais. Oh là 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 là. Ça, c'était beau, ça. La petite balle de pompe qui passe. Il y a du loot encore, je crois. Hein. Pas un gros loot là. Moi j'aurais pas dit. Bon, j'aurais dit reste pas là. Si un mec derrière toi, t'es mort. Aïe. Un feu de camp peut-être. Oh nice. Prends un bandage vite. Je vais pas. Oula, calme-toi, gros.
Oh, oh, il m'a fait flipper ça. Tant que ça, vraiment? Non, en vrai, il m'a fait flipper ça. Bon les potes, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos contre des joueurs de mon lycée. Mais voilà, par exemple, qui jouent sur PS4, sur Switch ou même sur mobile, je sais pas, moi, sur Xbox. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, bien évidemment, à vous abonner, activer la cloche. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao.